Bonjour les amis, nous sommes dans Skyrim édition spéciale et cette fois-ci je suis sur Nvidia Shield K1. Non, vous avez bien entendu, la tablette Nvidia Shield K1 et pas autre chose. Et je joue à Skyrim édition spéciale. Bon, bien sûr, graphiquement la tablette ne peut peut-être pas faire tourner le jeu à fond les ballons. Mais, honnêtement, ça va. C'est pas dégueu. Ça va, Lily? Putain, qu'est-ce que t'es laid dans cette version? Bon, alors, on a fait ça. Donc, vous pouvez quand même voir que sur la tablette Nvidia, c'est quand même jouable. Hein. C'est pas... Ah, il y a du pixel, je suis d'accord. C'est pas aussi net que sur PC, mais... Mais putain de merde quoi, on joue... Tu vas où? On joue quand même à Skyrim édition spéciale, quand même l'édition où les rochers sont en 4K, où l'herbe est super bien faite, où c'est assez fluide, blablabli, blablabla quoi. Sur une tablette. Alors la map en effet, ça lag. Ah, la souris est pas facile. Hop. Oui, je sais que je l'ai perdu, ce katana. Ça me facilite le transit intestinal. Petite gorgée de café. Ah, par contre, j'ai l'impression que les chargements sont plus longs. Ouais, ils ont l'air un tout petit peu plus longs, oui, en effet. Les Grisbards m'ont demandé à l'enfant de dragon. Oui, shut up. Qu'est-ce que mon cheval fait là? Bon. C'est mon cheval. Alors j'en fais ce que je veux. Si je me souviens bien. Oh là, je conduis un cheval comme je conduis une deux-deux. Oh là là. Oh là là. Oh, je suis mauvais. Allez. Hop. Voilà. Hop. Voilà, on y est. Donc ça va être un épisode très très court, hein, vu que c'est juste un petit essai. Là, je prépare actuellement un live sur Phantasy Star Online 2. Alors, c'est vous qui fouinez? La mansarde, hein? Eh bien, nous n'avons pas de mansarde. Mais vous pouvez prendre la chambre sur votre gauche. Faites comme chez vous. D'accord. Hop. Et on s'assoit. Donnez-moi une chope de bière. Voilà. Vous êtes donc l'enfant de dragon. Non, je suis Joseph. Je crois que c'est ce que vous cherchez. Ouais, merci. Ah, mais je vais faire même mieux que ça, ma grande. C'est chiant de tout, de devoir tout le temps tout répéter encore et encore. Bon, Lily, tu rentres, tu sors, tu fais quoi? Bon. Le temps que t'arrives en bas. Ah là là. Allez Lily, descends. T'inquiète pas, tu passes, hein. Les grises barbes semblent croire que vous êtes l'enfant de dragon. J'espère ouais. Qu'ils ont raison. Bah moi j'en ai strictement rien à foutre. Ouais. Ça vous surprend? Je crois que je simule de mieux en mieux mon... Bon, qu'est-ce que tu me veux? Oui, je vais skipper un peu les dialogues, hein, l'arfout. J'essaie de vous aider. Comme je l'ai dit dans mon mot, j'ai entendu dire que vous... je fais partie d'un clan. Enfin, si vous êtes vraiment l'enfant de dragon. Avant que je vous en dise plus... Alors, l'étalement.
n'est pas le plus important pour le moment. Ok. Ce qui compte, c'est que vous êtes peut-être l'enfant. Si vous ne me faisiez pas confiance. Ok, ça c'est fait. Je savais. J'ai tout de suite su que les grises barbes vous envoyaient. Et nous, ça suite. Ce que la plupart oublient. Il n'y a que vous qui puissiez. En êtes-vous capable? Pouvez-vous dévorer? Oui, voilà. Vous aurez bientôt l'occasion de. Nous nous rappelons. Il n'y a que vous qui puissiez tuer Irène. Nous nous rappelons ce que. Il n'y a que vous qui puissiez tuer. Ok, je suis en train de tourner en rond comme un idiot. Ce n'est pas simplement. Il ne se. Quelqu'un ou quelque chose ramène les dragons à la vie. Je veux que vous mettiez avec ça. Je le sais. Et j'ai découvert où réapparaît. On va aller là-bas et vous tuerez ce dragon. Si nous réussissons à risquer de Kin. Un dragon a été enterré non loin de là il y a fort longtemps. Ouais, je sais. Nous arrivons là-bas avant que cela se produise. Nous apprendrons peut-être comment empêcher le phénomène. Ouais. Allons tuer un dragon. J'allais mettre ma tenue de voyage. Oui, mais de toute façon, tu vas pas te foutre à walper. C'est nul. Bon, je te pique le livre, déjà, parce que ça, t'en as pas besoin. Tes popos, là, je te les prends. Voilà, parce que t'en as pas besoin. Ouais, ça je prends. Ça et ça, je vais prendre, tu sais quoi. Hein, parce que... Mais non, ça lui sert à rien, hein, Lily. Eh, oh. Toi, bientôt, tu seras à moi. Bah, je pourrais le prendre maintenant, mais bon. Voilà quoi. Le dragon entier de Kin. J'ai enfermé tout le monde derrière la porte. Bon, je vais juste aller au bosquet, je tue le dragon et puis j'arrête. Alors, le bosquet de Kin est là-bas. Alors déjà, je vais me téléporter chez moi. Ça sera déjà pas mal. Je vous ai dit, l'épisode va être très court. Petite gorgée de café. Donc oui, désolé, j'enregistre avec la manette. Oui, parce que là, vu que je joue sur Nvidia Shield K1, j'ai pas le micro branché. Hein. Disons, le micro. Quoi. Ouais, vous m'avez compris, allez, arrêtez. Avec vous. Ah, vous êtes pénible. Hein. T'écoutes quoi comme musique, le cheval, là? Non, ne réponds pas, je veux pas le savoir en fait. Je veux absolument pas le savoir. Et vous êtes tous les méchants que je vous tue. Je viens vous tuer. C'est où? Ah, oh, ça a l'air bien ça. Ah bah oui. Bien sûr que c'est bien. C'est du fer. Ça sert à tout faire. Tu peux faire la barre de fer. Dans 1h et 17 minutes, je fais un live sur Phantasy Star Online 2. J'aime bien, je dis ça et dire que j'ai pas fini d'enregistrer et j'ai pas encodé la vidéo. Troll. Alors, y a-t-il autre chose? Non. Hop, elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne à cheval. T'es qui toi? T'es quoi? Un messager. Je n'ai pas le temps de discuter. J'ai des livraisons importantes à faire. Oui, mais vas-y, mais fais ta vie, mon gars, tu sais quoi, moi. Je cours. J'aurais dû l'appeler Forest. Au fait. Où est Lily? Trouvez Lily. La 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 la. Est-ce que je vais dans le bon. Oui, ça me paraît parfait tout ça. Je cours plus vite que toi. Je suis un psychopathe. Alors. J'ai l'air de m'éloigner. En effet, il faut que je traverse.
Hein? C'était quoi ça? Chat! Non mais, mais reviens là le chat! Ici! Baka! Les racines, oui, je sais pas ce que c'est, je prends. C'est parce que je ne sais pas ce que c'est que je le prends, voilà. Ça, il y en avait plein sur le long de la route. Le crabe. Bah, c'est le crabe, hein, qu'est-ce que vous voulez faire? Crabe, c'est un crabe, hein. Personnellement, j'aime pas le crabe. C'est pas, disons, c'est pas que j'aime pas, c'est pas vrai, c'est que je peux pas le manger, en fait. Bon, je préfère éviter. Alors, c'est pas quelque chose à prendre, ça, par hasard? Ah bah si. Des filons de fer, c'est quand même ce qui est le plus facile à trouver. Gorgée de café. Lily, un de ces quatre, je vais te donner une pioche, et c'est toi qui vas aller piocher à ma place. T'sais, j'aime... Regardez là, mais... Hé hey, tu te crois à la DRE, toi? Ah non, mais sérieux, quoi. Monsieur le géant, bonjour, c'est pas que je vous aime pas, mais en fait, je t'aime pas. Je sais pas pourquoi je l'ai tué, franchement, je sais pas, c'était plus fort que moi. Il fallait que je le tue. C'était presque une obligation obligatoire. Je vous promets, les gars. Hein. Franchement, j'ai hâte de voir lorsque je vais faire la vidéo, lorsque je vais faire le montage. J'espère que le son va pas être complètement pourri, que ma voix va correspondre à peu près à l'image. En tout cas, moi, ce que je vois sur l'écran, eh ben, c'est loin d'être dégueu. Bon, c'est pas aussi beau que sur PC, hein. Ah, non, on peut pas. Attendez, oh, arrêtez d'être con. Madame, sortez. Non, vous n'allez pas monter. Un dragon. Oui. Bon, regardez un petit peu l'air de panique que cette dame elle a. Un dragon est en train d'attaquer, mais regardez-la. Elle a l'air zen, tout, elle est là, elle bouge tranquille. Je ne sais pas ce qu'il fabrique là-bas, mais je ne serai plus dans le coin quand on le découvrira. Bah dis donc, t'as vachement l'air en panique totale. Et dragon, le truc de King, c'est là-bas. En fait, non, je sais pas où c'est. Le dragon, je vais me le farcir. Le dragon, je vais me le faire. Le dragon, je vais lui exploser les chicots. Je crois que j'ai loupé l'entrée. Attends. Slenty Ro, ouais, d'accord. Toi t'es mort. Il est où l'autre? Oh là là, il est déjà parti, c'est pas juste. Et ben voilà. Je l'ai fait bugger, il est resté entier, regardez. Il est resté entier, il a pas réussi à fondre. Ah, c'est trop bon ça. Je prends, ça vaut deux. Oui, une bière, je prends ça. Non, ça, oui. Ça, non, 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 non. Oui, non, non. C'est vrai, n'est-ce pas? Quoi? Vous êtes vraiment l'enfant de dragon. Mais non, je te dis, je suis ta sœur. Mais elle est Gwen, cette fille. Je vous dois des réponses, n'est-ce pas? Ouais. Et puis pas qu'un peu. Tout ce que vous voulez savoir. Ok, quelles sont tes mensurations? Ah, ça, tu veux pas me le lire, hein? Alors. Je suis l'un des... Ah, vas-y, je vais skipper les dialogues parce que franchement ça me gave. On peut pas faire comme dans PSO slash skip. Bon. La première chose à
Notre meilleure piste, c'est celle des Talmor. S'ils ne sont pas directement impliqués, ils sauront qu'il est. Ouais. C'est quoi déjà les Talmor? Ah oui, c'est les autres, là, les peaux jaunes que je dois tuer. Là, j'appuie sur le bouton comme un crétin, ça ne sert strictement à rien. Nous les avons donc combattus dans l'ombre, dans tout Tamriel. Ok. Nous pensions être supérieurs. Rien de lent. Et maintenant, les dragons. À qui cela profite-t-il, si ce n'est au Talmor? Si nous pouvions entrer dans l'ombre. Le problème, c'est que c'est en. Je ne le sais pas. Retrouvez-moi, Rivois. Si je n'y suis pas à votre arrivée, attendez-moi. Ouais. Alors attends, je vais déjà ranger ça et je vais fouiner parce que normalement il y a un soldat, mais il y a aussi voilà, il y avait lui et normalement il y en a un troisième qui a quelque chose d'intéressant. Le troisième, c'est un archer. Ou une archère, je sais pas, hein, mais bon, c'est un soldat avec un arc. Et l'arc en lui-même n'est pas très intéressant, mais le personnage a quelque chose sur lui, à moins que ce soit ce personnage. Non. Je vais changer de vue, je vais essayer d'avoir une vue un peu plus détaillée. Le problème, c'est qu'il peut être n'importe où le personnage. Ah, mais il est passé où le troisième? Flûte. Ah, mais il est peut-être de l'autre côté, je suis idiot moi aussi. Alors. Serait-il par là ou serait-il tombé? Comme un abruti. Voilà, bah là, s'il est tombé de ce côté-là, je vais le retrouver là-bas, dans le fond. Est-ce que vous voyez un corps quelque part? Ah mais merde, je suis con, je suis en offline. Putain, moi, j'étais persuadé d'être en direct. Alors. Où est le troisième corps? On va prendre de la hauteur et on va essayer de regarder. Qu'est-ce qu'il y a le bouc? Non mais... Je ne vois pas de corps. Bizarre. Parce que je sais que normalement ils sont trois. Il y a deux guerriers et un archer. Bizarre. Ah, d'ailleurs, pendant que j'y pense. Alors. Voilà. Il faut 30, 40 et 30. D'accord. La furtivité, j'ai déjà 25. Ouais, c'est déjà pas mal. Crochetage. Voilà, je vais me garder 2 points pour plus tard. Bon. Et bien, ma foi, je vais arrêter là. Donc, c'était l'épisode 3 sur... Nvidia Shield K1, oui, la tablette, et on est bien dans Skyrim édition spéciale que Bethesda a sorti il y a peu de temps. Voilà. Sur ce les amis, j'espère que cet épisode vous a fait plaisir. Un petit pouce bleu si vous avez aimé, un petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé, et je vous retrouve pour le live tout à l'heure. Allez, ciao.